Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Behind, le podcast illustré qui va vous raconter les histoires derrière les photos. Un micro-format pour des micro-stories qui, je l'espère, vous emmèneront avec moi de l'autre côté de l'objectif. Pour ce nouvel épisode, je vous avoue que, contrairement à d'habitude, j'ai choisi la photo en fonction de ce que je voulais vous raconter. C'est un sujet que je voulais aborder depuis très longtemps dans un format, sans savoir exactement lequel ni comment. Dans une story, un podcast, un TikTok, un live Twitch, que ceux qui savent en témoignent, ce sujet me tient tellement à cœur depuis des années qu'il est devenu pour moi un cheval de bataille, un principe de vie, que dis-je même, un mantra. Nous sommes le 21 juin 2014, il est 16h54, nous sommes au parc de Percy à Paris, et aujourd'hui, je vais vous parler d'équilibre. À cette époque de ma vie, j'approche des 29 ans, donc des 30 ans, nous sommes fin juin, donc la fin de l'année dans la tête de toute personne étant restée bloquée sur le système scolaire, mais également la fin de saison pour la plupart des sports. Et cette année-là était très particulière pour moi, dans la mesure où je venais de prendre l'une des décisions à la fois la plus dure de ma vie, mais aussi l'une de celles qui aura le plus d'impact. En ce mois de juin 2014, j'avais décidé d'arrêter le sport qui me plaisait le plus au monde, le handball. Si vous avez suivi l'épisode 2, vous savez que cette décision a été remise en jeu dès le mois de septembre suivant, que j'ai repris pour une ultime saison qui mènera à ma blessure. Mais bref, vous connaissez déjà cette partie de l'histoire. En ce mois de juin, donc, je me sens à la fois follement triste, mais aussi terriblement content, fort, ambitieux. Le temps que je vais gagner hors des gymnases, je vais le passer à faire des photos. Et chose qui ne m'était environ jamais arrivée, je commence à aborder certaines personnes, notamment dans des parcs, pour leur demander s'ils accepteraient d'être pris en photo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis quelqu'un de profondément timide. Aborder quelqu'un était, et honnêtement est toujours aujourd'hui, quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais en cette période, j'avoue que je me sentais d'une légèreté incroyable. Pour la première fois depuis longtemps, je commençais à me sentir bien dans mes pompes. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard, je suis certain que c'était lié au fait que j'avais trouvé la bonne méthode à appliquer dans ma vie de tous les jours pour être globalement heureux. Une méthode qui m'aiderait dans tous mes choix à venir. Comment ? En m'aidant à atteindre et maintenir mon équilibre. Et pour vous raconter cet incroyable voyage qu'est cette plongée dans l'incommensurable bordel qu'est mon esprit, quoi de mieux qu'une photo de slackline ? Alors, la slackline, pour ceux qui ne connaissent pas, Wikipédia, la slackline, de l'anglais ligne lâche ou slack, est une pratique sportive s'apparentant au funambulisme. Bon, là je pense que globalement, on est dans le thème de l'équilibre. Ce jour-là, j'avais donc croisé, abordé, shooté des tas de sportifs à Bercy. Des volleyeurs, des skateurs, des basketteurs et pour finir, des slackers. Et franchement, j'avais passé une putain de bonne journée. C'était super cool de pouvoir discuter avec des gens de tout horizon qui eux étaient à fond dans leur truc et à la fin, de les voir sourire sur les photos que je leur montrais. Honnêtement, il y avait quelque chose de magique dans cette journée. De retour à la maison, je me suis très vite calé devant l'ordi pour dérusher et sélectionner les photos que je voulais développer. Et franchement, celle-ci ne faisait pas initialement partie du lot. Et vous allez comprendre pourquoi. Voici le cliché original, non recadré, non développé. Sincèrement, je l'aime pas trop cette photo. En tout cas, elle ne m'a pas sauté aux yeux façon wow effect. Le cadrage ressemble pas à grand chose, les couleurs sont ternes, il y a un très gros contraste entre le premier et le second plan, bref, pour en faire quelque chose de sympa, en tout cas avec mon niveau de photo, tu sens bien que tu vas ramer sévère à contre-courant quoi, hein. Par contre, en y regardant de plus près, il y avait un truc qui me plaisait vraiment dans cette photo. C'était sa perspective et son moment. Cette ligne fuyante de la slackline qui semble partir loin devant, le moment où le type monte sur sa ligne et fait une pause, cherchant son équilibre en respirant profondément, ce moment de préparation pour l'effort qui allait suivre. J'avais connu ça des tas de fois sur les terrains de hand. Ce moment presque figé dans le temps, quelques secondes avant le coup d'envoi, où la concentration monte d'un cran, où tu prends une grande inspiration, tu bloques quelques instants, et là, juste là, le silence. Il n'y a plus personne autour. Plus de bruit, plus de public, plus de problèmes, plus rien. Juste toi, ton objectif, ton but à atteindre. Cette petite décharge d'adrénaline, ce petit frisson qui te parcourt l'échine, qui te fait dresser les poils sur la nuque. Le calme dans le chaos.
Et très sincèrement, j'aimerais beaucoup avoir votre ressenti sur cette photo, parce que pour moi, à mes yeux, c'est ce moment que j'ai voulu représenter dans cette photo. C'est ce que j'ai vu dans la photo brute, et même si je savais que ça allait me coûter un temps de dingue parce que je n'avais aucune idée de comment j'allais bien pouvoir faire passer ça dans mon développement, je savais que si j'y arrivais, je serais hyper fier de moi. Alors je m'y suis collé. Et rien que sur cette seule photo, j'ai bien dû passer 4 ou 5 heures de développement. Rappel, on est en 2014, j'ai mon appareil depuis 2012, and I have absolutely no idea of what I am doing. Mais au final, après 4 ou 5 tentatives et autant de reprises à zéro, le résultat est là. J'ai complètement désaturé la photo pour laisser derrière la couleur terne. J'ai complètement recadré la photo pour la passer de portrait à paysage. J'ai poussé la luminosité sur le premier plan, quitte à complètement saturer l'arrière-plan dans lequel on ne distingue quasiment plus aucun détail. Parfois même presque à en perdre de vue la slackline elle-même. Mais en fait, c'est vraiment comme ça que j'avais envie de raconter ce moment. Parce que c'est vraiment comme ça que je vivais ces moments sur un terrain. Tu vois plus les visages, parfois t'es tellement concentré que ta vision périphérique est complètement oblitérée. T'es dans ta bulle. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien! Et pendant quelques heures, sur ce développement, j'avais revécu ça. Être dans ma bulle. Tu sais que ça va te coûter en temps. Mais tu sais aussi que ça va te rapporter en satisfaction. J'insiste de manière absolument non subtile sur ces deux mots. Ce que ça coûte versus ce que ça rapporte. Pour ceux que je n'aurais pas encore perdu depuis le début de cet épisode, la voilà ma méthode dans ma petite vie pour essayer d'être heureux. Chercher au maximum l'équilibre. Certains diraient probablement que c'est parce que je suis balance avec Mercure en rétropédalage ascendant girouette, mais plus sérieusement, cette recherche d'équilibre, c'est ce qui va me guider dans mes choix et notamment dans absolument toutes mes relations. Qu'elles soient amoureuses, amicales ou encore professionnelles, absolument toutes mes relations sont mesurées, au sens propre du terme, hein. C'est-à-dire que je vais toujours mesurer mes relations en fonction de ce qu'elles me coûtent et me rapportent. Je sais que, dit comme ça, ça peut choquer, mais laissez-moi vous expliquer. En toute honnêteté, on fonctionne tous plus ou moins comme ça, mais on a souvent peur de le dire et de l'assumer, de peur d'être jugé par les autres. Car très souvent, ce qui change d'un individu à l'autre, ce sont les critères avec lesquels on va évaluer nos relations, et les différentes valeurs qu'on va mettre dessus. Mais dit autrement, si on développe des relations, c'est forcément pour en tirer quelque chose, et c'est ce quelque chose qui va différer en fonction de qui vous êtes. Pour certains, ce sera l'argent, pour d'autres l'admiration, encore d'autres le respect, le plaisir apporté, le temps passé, l'épanouissement intellectuel, bref, comme je le disais, chacun y apporte ses propres valeurs. Et quand une relation coûte plus à l'une des parties prenantes qu'elle ne lui rapporte, alors cette relation devient toxique pour cette personne. Si quelqu'un consomme trop de votre temps par rapport au bon moment que vous partagez, si quelqu'un passe son temps à exploiter votre gentillesse sans vous apporter la reconnaissance que vous cherchez, alors ces relations sont toxiques. Une fois de plus, chacun colle ses critères qui lui convient le mieux, ici ce sont des exemples, et chacun a une tolérance qui lui est propre. Genre, si vous avez des critères équivalents, votre tolérance est différente de celle de votre voisin ou de votre voisine. C'est ce qui vous fera dire cette fameuse phrase « Ah mais moi, je pourrais pas supporter tout ça ». Mais oui, vous peut-être pas, mais d'autres peut-être. Et c'est là qu'il est important de ne pas juger les relations d'autrui avec ses propres échelles de valeur. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque vous êtes honnête avec vous-même, et que vous vous posez à vous-même cette question à l'abri de tout jugement extérieur, qu'est-ce que cette relation me rapporte à moi par rapport à ce que j'engage dedans? Alors la réponse doit forcément vous aiguiller sur comment vous devez traiter cette relation. Fournir plus d'efforts parce qu'elle vaut le coup, ou bien la laisser filer parce que, au final, vous y dépensez bien trop d'énergie par rapport à l'épanouissement que vous souhaitez en tirer. Et c'est pour ça que j'aime cette photo. Parce que d'une certaine manière, elle représente cette époque où j'ai commencé à appliquer ce fonctionnement. Et c'est à partir de cette époque que j'ai commencé à me séparer de certaines personnes de mon entourage. Des personnes que je considérais comme des amis, mais parfois aussi des membres de ma famille. Je sais que cette manière de fonctionner me fait aussi passer pour un connard aux yeux de personnes qui ne comprennent pas que je ne respecte pas certains standards que la société nous impose. Oui, mais aujourd'hui, je sais aussi que j'ai su m'entourer de gens bienveillants qui savent aussi me dire les choses qui ne vont pas sans pour autant me juger. Et je sais aussi que j'ai réussi à éliminer la plupart des gens toxiques qui profitaient de moi. Dans cet équilibre, j'ai réussi à trouver une certaine forme de bonheur, d'épanouissement. Et pour rien au monde, je ne ferai marche arrière. Parce que s'il y a bien une chose que le temps ne fera jamais, c'est reculer. Merci à vous,
infiniment pour votre écoute, votre bienveillance et pour votre soutien. N'hésitez pas à liker cet épisode et ou à le partager s'il vous a plu, voire même, soyons fous, à vous abonner. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite évidemment un bon équilibre et beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous et des autres, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite.